Bonjour à tous, petite vidéo prévention. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons vu sur Le Bon Coin l'iPhone qui est à vendre. Nous avons repéré un arnaqueur, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, nous sommes allés voir cet arnaqueur qui disait vendre un iPhone dernière génération. Et donc, nous allons voir si c'était bien ça. Et nous vous proposons de regarder la vidéo qui a été filmée. Regardez. C'est pour Le Bon Coin, oui. C'est pour l'iPhone, oui, l'iPhone, c'est l'iPhone S, oui. 7. Oui, ok, c'est ça. Bah ouais, il est là. On peut le voir. On peut le voir. Ouais, ouais, bah, il est là. Ouais, mais on peut enlever le papier. Là, par contre, non, parce qu'il est sous garantie. Là, faudrait pas trop enlever le plastique. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est le dernier modèle. Parce que moi, je suis stagiaire chez Apple. Ok. J'ai fait un stage et à un moment, ils m'ont laissé tout seul dans les stocks. Donc j'ai pu sortir quelques téléphones là. Et bah après, je peux les faire à des bons prix, c'est pour mais ça. On peut enlever le papier vu, le moment pour voir si c'est vraiment l'iPhone. Ah, c'est vraiment l'iPhone. J'ai mis la photo sur Le Bon Coin. C'est la même que ouais, la photo. Ouais, c'est la même. Il n'y a pas une boîte, non, tu non, vois bien. Mais non, parce que justement, au stock, ils n'ont pas les boîtes. Il ouais. n'y a que le matériel comme ça. Moi, je l'ai pris, je l'ai mis dans le cellophane pour le protéger. Je te jure, l'écran, il est nickel. Et hop, j'ai pu l'endormir comme ça. Et j'ai pas la boîte, il n'y a pas les écouteurs. Mais c'est vraiment l'iPhone. Et le chargeur, il est où? Chargeur, c'est tous les. C'est compatible. Tu prends un câble, ça coûte pas cher. Mais au moins, t'as l'iPhone. Oui, oui, oui. Et ça vaut 1000 balles, garçon. Ouais, 1000 ouais, balles, les gars. On n'a pas la preuve, là, on peut pas voir. Voilà. On peut pas voir si c'est pèse. Vraiment la. Au moins, pèse, non, tu vois. Pèse. Non, et... Avoue que ça pèse lourd. C'est lourd, mais. Ouais, c'est que du papier. Ça pèse comme un iPhone. Voilà. Hein. Attention, parce qu'après, t'as plus la garantie. Hein. Moi, je préfère que tu me donnes l'argent avant. Ah, si ça te dérange pas. Autant vérifier avant de donner l'argent. Non, franchement, je préfère. Donne-moi l'argent alors. C'est toi, mais je te donne l'argent une fois que je suis sûr que c'est un iPhone. Ouais, mais c'est sûr que tu le prends, parce que si t'enlèves, moi je perds la garantie. Eh ben, je pourrais pas le vendre. Tu garderais la garantie. Voilà, moi j'ai plein de gens qui m'appellent hein, pour l'iPhone tous les jours. Ouais, hein. Bah s'il y a plein de gens qui t'appellent, en soi ça passe. Eux aussi ils voudront regarder. Ah, ouais, mais ils voudront pas le prendre si t'enlèves le papier bulle. Mais c'est du papier bulle, tu rachètes sur Noz, c'est bon. Non, parce que c'est un papier bulle Apple. C'est Apple, ils ont des bulles, ils ont des pommes. On voit bien. On est d'accord. Ouais, et Apple, ils ont changé de nom et de logo en même temps. Comment ça? Bah, je sais pas, par exemple, là, c'est marqué Huawei. Huawei? Huawei. Huawei, bah ouais, c'est ça, Huawei, ça veut dire pomme. Ça veut dire pomme. C'est dire pomme, en chinois, ouais, ouais c'est, ça veut dire chinois. Pomme. Apple, tu sais, Apple, c'est la pomme. Oui, parce que toi, Apple, c'est la pomme. Et ben là, Huawei, ça veut dire pomme en chinois, d'accord. Japonais. Et il est où le rond pour les Apple? Là, c'est le rond là, mais ouais, c'est un rond avec un. Ils ont mis un. C'est un nouveau logo chez Apple. Maintenant, ils mettent un palmier. Mais normalement, c'est fini les pommes. Il y a un rond devant en bas de l'écran là pour aller sur le menu là. Ouais, les rond basiques, ils sont où? C'est la nouvelle version, il n'y a plus de rond, il n'y a plus de logo. Et l'iPhone, ouais. Il est pas plat d'habitude. Il est plat, il est extra grand normalement. Non, parce que ça, c'est le modèle de poche. Là, tu confonds avec l'iPad. Ouais, non. Là, c'est pas l'iPad, c'est l'iPhone. Là, c'est le téléphone. Non, là, ce que je vois, c'est juste de casse comme ça que vous essayez de rendre. Ouais, garçon, je te jure, il est bon. Regarde, il y a marqué là, matine, ok. Donc, ouais, ça c'est bon. Ça, ouais. Ça, c'est du bon matos. Ouais, non, je suis pas sûr, moi. Bon, écoute, de toute façon, vous êtes venu pour prendre l'iPhone ou pas? On est venu pour vérifier si c'était l'iPhone. C'est un iPhone, t'inquiète. Fais confiance, garçon. Tu le remets dans le sachet bulle, voilà. Tu me donnes les 300 euros, puis 300 euros, voilà. 300 euros, écoute, ça vaut 1000 balles en magasin. Ça vaut 300 euros. Tu vois, regarde, rien que tu m'as abîmé le papier. Là, normalement, les gars, je dois augmenter la note hein, parce que ça va pas là. Je peux pas le revendre. Alors, ouais, mais non, on va pas le prendre, vous voyez. Comment ça, tu vas pas le prendre? On va pas le prendre parce que ce n'est pas l'iPhone. Il faut rechercher l'iPhone. Et puis, garçon, le dernier iPhone n'est pas un. Je te l'ai montré sur internet. Sur internet, il ressemblait pas à ça. Sur Google, tu m'as dit par texto que tu le prenais. Prends-le. Non, j'ai dit, on va le voir. Moi, je peux pas rester trop longtemps ici. Déjà, j'ai pris des risques en venant là, les gars. Ouais. Moi je peux me faire serrer, je peux prendre 10 ans pour ça. Et bah tu prendras 10 ans pour un téléphone qui n'est même pas Apple. Bon, ok, c'est bon les gars. C'est bon. 100 euros. Non, on cherchait l'iPhone. Mais l'iPhone c'est de la merde, écoute, l'iPhone ça bug et tout, tu peux pas, ça coûte. Ça c'est mieux. Tu jures Huawei, un jour ça va dépasser Apple. Les gens ils vont arrêter de manger des pommes, ils vont manger des bananes. Pour l'instant c'est pas ça. Voilà. Nous on est venu pour l'iPhone. Non mais t'as quoi, vous avez un autre téléphone toi? T'as quoi comme modèle? J'ai un iPhone. T'as quoi? Vas-y, monte ton iPhone. Il est chez moi. Ah, tu sors, t'as pas ton téléphone? Non, vous voyez, je suis pas quelqu'un d'autre. Pas de téléphone non plus. Si, moi j'en ai un, moi.
c'est un iPhone aussi. Moi, c'est pas un iPhone, justement, je viens chercher un iPhone. Pourquoi est-ce que j'aurai un iPhone? Écoute, garçon, ça, c'est un modèle collector. Tu le prends, tu le prends pas? Mais je le prends pas parce que c'est pas un modèle collector. Toi, t'as pas de téléphone, tu peux le prendre. Sans eux, c'est quoi sans eux? Non, c'est. Vas-y, on fait un prix. Si j'ai un téléphone à prendre, c'est pas un iPhone. On fait un prix, écoute, tu me passes ta chemise et tes lunettes et je te le donne. Non plus. Vas-y, prends-le. Prends-le, s'il te plaît. 50 euros. Qui le prend qui marche? Mais bien sûr il marche, il faut mettre des piles et puis ça marche. Des piles, tu vois ce que je veux dire ça. Ouais. Ça se recharge chez le solaire, ça tombera jamais en galère de batterie. D'accord, bien sûr. Bon, 20 euros, 20 euros dernier prix, 20 euros. Ah putain les gars, vous faites n'importe quoi là. On va vous dire au revoir et nous on va y aller. Ouais c'est ça. Merci. Eh bande de branquignoles. Putain, à qui je peux refourguer ça moi? Comme vous venez de le voir, donc l'iPhone n'était pas un iPhone et c'était un Huawei, si je dis bien la marque. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, il a essayé de nous vendre un iPhone qui n'était pas celui-là. Il a baissé le prix petit à petit. Mais ce n'était pas un iPhone, on lui a dit. Donc c'était pour montrer à quel point il peut avoir de fausses... Des arnaques simplement voilà, sur le bon arnaques. Coin. Donc il faut faire attention. Voilà, donc faites attention si vous allez sur le bon coin. Et si ce n'est pas l'objet que vous cherchez, surtout ne l'achetez pas, même si le prix baisse. Et surtout, montrez-leur de vous montrer si le produit marche et s'il y a tout. Un portable, par exemple, évidemment, le portable, un chargeur, la boîte. Ouais, la boîte, c'est important. Et les écouteurs. N'hésitez pas et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.